les amis, aujourd'hui, dans la série des présidents de la République française, Patrice de MacMahon. Il fut président de la République du 24 mai 1873 au 30 janvier 1879. Patrice de MacMahon est né le 13 juillet 1808. Maréchal du Second Empire, vainqueur en Crimée et en Italie, mais battu par les Allemands. Bien que resté quelque peu en retrait des affaires politiques, MacMahon, soutenu par les monarchistes de l'Assemblée, succède à Adolphe Thiers comme président de la République le 24 mai 1873. Les votes lors des élections législatives d'octobre 1877 et les sénatoriales de janvier 1879 donnent à nouveau la majorité aux Républicains, qui entraînent sa démission le 30 janvier 1879. Né à Sully en 1808, il est mort à Château de la Forêt en 1893. À bientôt, les amis! Que la force soit avec nous! Tchuss!